l'idéal? Joueur français? Non, international, je pense. Ah, donc le choix est Ouais, il plus me semble, large. ouais, quand même. Autrement, tu vas être obligé de. On va passer l'après-midi Donc, alors. attends, si tu fais la sélection nationale, ça va encore accréditer la thèse selon laquelle tu veux la place de Domenech. Donc on va se calmer. Tu vois, on va peut-être pas foutre le feu aujourd'hui. Voilà, les joueurs qui m'ont marqué surtout. Par exemple, un joueur qui m'a marqué, un joueur allemand, Karl-Heinz Foster, qui joue à Marseille. Bien sûr. Moi, j'adorais ce joueur. Il y a peut-être très peu de gens qui le connaissent. Voilà, je mettrais lui, par exemple. Je mettrais Moser en libéro. Je mettrais Fabien Barthez dans les buts, sans problème. Je mettrais Lisa Razu à gauche. Pas parce que c'est un pote, même si ça l'est. Tu le mets au poteau, au corner quand même, il peut. Ah, il saute. Il saute. Ouais, le basque, il saute. Le petit basque Le basque Moulissard, saute. ouais, il n'a pas peur. Après, je ne sais pas, milieu de terrain, il y a Makelele pour moi que j'aime beaucoup. Bon, Vieira, Deschamps, voilà. Tu me fais une petite équipe de France là quand même. Ouais, mais c'est des joueurs qui en même temps. Bien sûr. Actuellement, comme Makelele, c'est l'un des meilleurs à son poste, quoi. Après, devant, j'aimais beaucoup Van Basten, qui s'est arrêté très vite. Voilà, enfin, après, il n'y en a qu'un, de toute façon, c'est le Maradona. Donc, il est obligé, celui-là, d'être là. Et puis, voilà, et puis après, Waddle, Chris Waddle. C'est Par ses passements de jambes ouais. Qui qui a foulé enflammait ses le gazon. défenseurs, voilà.